était en taille M. Tu fais du L. Hein? Ah, vas-y. Non, non, moi je fais du M. Moi, je fais du M. Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Cette semaine, j'ai invité Bruno Kremer, qui est notre représentant commercial de la marque Nolan X-Lite, que vous avez déjà rencontré lors de précédentes émissions. Et je l'ai invité parce que X-Lite sort une belle nouveauté, qui est le X-903, que Bruno va nous présenter un petit peu. Le X-903 n'étant pas le remplaçant du 803, d'accord, qui reste dans la gamme, pour pas qu'il y ait de confusion, le 803 reste dans la gamme, mais est un casque hyper sport. C'est ça, oui. Pas d'écran solaire, plus léger, mais beaucoup plus bruyant. Voilà. Là, on a plus un casque, donc le X-903, qui est un casque plus à vocation routière. C'est un casque grand tourisme. D'accord. Grand tourisme pour les gens qui cherchent le confort optimum, une très bonne ventilation, des solutions techniques qui viennent d'être brevetées, des belles innovations. C'est vrai qu'il y a deux petits... Moi, ce qui m'a vraiment plu dans ce casque, qui m'a donné envie de vous le présenter, c'est qu'il y a deux éléments techniques particuliers sur ce produit. Et le premier, c'est la visière, en fait. Alors, on a un système d'écran, que personne n'a, qui a deux particularités. Ces deux particularités étant brevetées chez Nolan X-Lite. Donc, première particularité... Votre écran, une fois, quand vous le descendez, il y a un système d'escargot qui fait que quand il arrive en bas, il vient se plaquer contre le joint. Donc là, ça assure une bonne étanchéité. Ça assure une étanchéité optimum. Pas d'entrée d'air, pas d'entrée d'eau. Ça, c'est déjà une première chose. C'est un système, c'est pas un système juste comme de, dites, là, de pivot, ouvert, fermé, ouais. De pivot. Ouais. Il y a vraiment un système d'escargot. Voilà. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a quand même un très grand champ de vision par rapport à un intégral normal, standard, ouais, on va dire. Beaucoup plus de champ de vision. Le démontage de l'écran, sans outils. Voilà. Donc en fait, il a suffi d'appuyer tout simplement. Voilà, j'ai deux petits Les petits ergos sur le côté pour pouvoir enlever le casque jusqu'à là. C'est un système qu'on connaît déjà chez Nolan X-Lite. On connaît ce système. Et pour remettre votre écran, voilà. Alors, c'est là en fait, je ne sais pas si on voit bien à l'écran, mais c'est là où il y a la petite nouveauté, c'est qu'en fait, il y a un système d'aimant tout simplement. Voilà, il y a un système d'aimant qui fait que l'écran se repositionne automatiquement au bon endroit. Hop. Le système d'écran avec aimant. Voilà, et je ne suis pas à ma main. Et voilà. Il n'y a même pas besoin de chercher, en fait, vu qu'il y a l'aimant, automatiquement, ça vient se positionner. Ça se positionne dans son emplacement et vous pouvez bénéficier de votre grand champ de vision, de l'anti-buée sur l'écran. Oui, parce qu'il est installé. Parce que l'écran est équipé d'un pin lock, donc vous n'aurez jamais de buée. Il est préinstallé ou il faut l'installer ? Non, il faut l'installer, ça prend 10 secondes. Ouais, ouais. Le pinlock est livré dans la boîte avec une chiffonnette pour essuyer votre écran et un petit tube de silicone pour nourrir vos joints d'écran. Donc voilà, ça c'est une première chose sur ce casque. Donc très grand champ de vision, le système d'écran à aimant. Et ce mouvement escargot qui fait que l'étanchéité, une fois fermée, est optimum. Ensuite, nous avons
pour la sécurité, le système d'éjection des joues oui. rapide. Bon, ça fait maintenant sur tous vos casques haut de gamme, vous le mettez. Sur tous nos haut de gamme, ce système est présent. Oui. Et nous avons une autre particularité. Votre casque de tour de tête est parfait. Les joues sont bien maintenues, un petit peu écrasées, tout va très très bien. Mais tout le monde n'a pas exactement la même forme de tête. Et il se peut que sur cet axe, ou sur cet axe, le casque n'est pas parfaitement positionné. Donc Nolan, X-Lite, a inventé et breveté un système de... Je vais le prendre avec les angles. Avec le G-pad. Ah non, bah tu l'as remis en place. Moi, j'ai touché à rien. Ça se remet en place tout seul, en fait. Voilà. Voilà, mais je vais l'attraper. En fait, c'est un système de deux languettes que vous tirez. Je te laisse continuer. Voilà, votre languette étant extraite, mais vous le faites une fois pour toutes, puisque votre tête ne change plus de forme et de taille. Vous faites votre réglage une fois pour toutes. Ce qui permet d'ajuster... Je ne sais pas si on s'en rend bien compte, la hauteur et la position de la coiffe à l'intérieur. Ouais. Vous avez trouvé votre réglage, vous rentrez et vous clipsez, et le tour est joué. Bon, ça, c'est pas mal parce qu'effectivement, de temps en temps, on avait des gens qui étaient un petit peu gênés sur le haut de la tête, parce qu'on n'a pas tous la même forme. On n'a pas tous la même forme de tête. Loin de là. Et pour le coup, ça va permettre, je pense, de résoudre un certain nombre de problèmes, de faire les bons ajustements. Vous avez un casque, presque un casque sur mesure, grâce à toutes ces possibilités de réglage. Sachant que Nolan X-Lite, bon là, sur le X903, on a effectivement trois tailles de calotte. Sur le 903, il y a trois tailles de calotte. Vous avez... deux systèmes possibles de rétention, soit la double D, soit la micro-lock brevetée Nolan. C'est une micro-lock double action. Nous avons conçu cette micro-lock et nous fabriquons nous-mêmes cette micro-lock. Comme tout ce qui est Nolan ou X-Lite, tout est conçu et fabriqué en Italie dans nos usines. Il n'y a aucune sous-traitance. Ouais, ça, c'est vraiment l'un des points forts. C'est pour ça que c'est une marque qu'on apprécie beaucoup chez XTEM. C'est l'un des points forts de Nolan. C'est que vu qu'ils fabriquent toutes les pièces de leur casque, même si à un moment donné, vous aviez un problème parce que vous faites tomber votre produit, vous cassez une ventilation, vous avez besoin de changer un écran, votre intérieur est un peu fatigué, tout ça, c'est des éléments qui sont toujours disponibles en fait, chez Nolan X-Lite pendant des années. En fait, parce que nous, en ce moment, on voit énormément d'intérieurs pour N103, qui est quand même un casque Qui commence à dater un peu, mais on peut toujours fournir les éléments. Donc ça, c'est vraiment, quand vous achetez un casque chez Nolan X-Lite, vous avez un gage en fait, de longévité, d'utilisation du produit. Ce n'est pas du tout un produit jetable. Mais moi, c'est un élément que j'apprécie parce que, vu la tendance écologique qu'on essaie de prendre, on aimerait bien que tous les fabricants fassent pareil. Bon. Vous avez là deux versions. Il existe deux versions. Il y a la version carbone, pure carbone, des carbones haute technologie, des fibres. C'est un mélange de fibres de carbone. Et nous avons trouvé le bon réglage du mélange des feuilles de carbone pour avoir, ne pas mettre trop de matière, pas par économie, mais pour maîtriser le poids du casque. Et vous avez une version multi-composite en fibre, qui va être un poil plus lourd, un petit peu moins cher, en fibre. L'intérieur du casque. Alors, l'intérieur du casque, c'est un tissu que nous sommes les seuls à utiliser. C'est un tissu à base de fibres, de fils et de fibres de carbone, ce qui permet une évacuation très très rapide de la chaleur, de la transpiration. Le tissu sèche très très rapidement et le tissu est micro-perforé, ce qui permet une répartition de l'air vraiment optimum à l'intérieur du casque. Vous vous sentez
Bon, mieux que la maison. C'est quoi, je te propose de l'essayer. J'ai vu que celui-là était en taille M. Tu fais du L. Hein? Ah, vas-y. Non, non, moi je fais du M. Moi, fais du M. Donc évidemment, le casque dispose d'une bavette anti-vent, d'un protège-nez répartiteur d'air pour évacuer éventuellement de la buée. Et avec le système pinlock, normalement, ça n'a pas lieu d'être. Michel constate qu'il y a en plus un écran solaire cranté. Ah oui, ça c'est top, parce que ça me permet de le régler. Parce que là, par exemple, si je le descends jusqu'en bas, il touche mon nez, voilà. Grâce au petit cran, je remonte d'un petit cran et il est au-dessus. Et en plus, pour le coup, il bouge pas. Il bougera pas. Donc pour la sécurité, bah, ça vous évite d'être ennuyé par un écran solaire qui vous frotte le nez. Vous adaptez vraiment ce casque à la morphologie de votre tête. Bon, en tout cas, je me sens à la maison. Là. Également, un petit plus encore chez Nolan X-Lite, l'écran solaire est traité anti-rayures et anti-buée. Ouais, c'est bien ça. C'est vrai que c'est pas le cas de plein de marques. Ouais. De plein de marques. Bon, je vais essayer avec mes lunettes. Normalement, ça rentre. Alors, j'ai des grosses branches. J'ai des grosses branches, mais ça passe quand même. Ça passe. Voilà. Non, c'est. C'est pas les branches les plus faciles à passer, mais ça rentre quand même. Ouais, ça rentre. Ouais, bah, j'ai des branches très très incurvées, mais effectivement, ça passe. Non, c'est top. Au niveau confort, on est bien. Alors, je pense qu'au niveau insonorisation, on est bien aussi, parce que je sens que dès que j'ai mis le casque sur la tête, ben, je t'entends beaucoup moins bien. Oui. Et quand je ferme l'écran, on n'entend plus rien. On entend ce qu'il faut entendre quand on conduit sa moto. Tu dis quoi? Voilà, on n'est pas coupé de la circulation totalement. Et on peut garder une position. Il y a plein de positions sur l'écran et tout, mais surtout bon, pour les gens qui roulent, un petit peu rapidement, on va dire, ce système d'escargot qui vient plaquer l'écran sur le joint vous donne un silence et une étanchéité de fonctionnement vraiment optimum. Bon, bah top. Bon, je vais l'enlever. Hein. Allez. Bon, ben merci Bruno. Je vois quand même qu'il y a une petite mention sur l'écran. Si vous avez un pacemaker, vu qu'il y a des aimants sur l'écran pour pouvoir le positionner facilement, c'est à déconseiller. Oui. Voilà. Mais à part ça, je pense que c'est un casque qui va pouvoir s'adresser à pas mal de monde. C'est quoi les notions de prix? Parce que c'est le dernier élément qu'on n'a pas donné. On est à 490. À partir de 460€, vous pouvez avoir un X903. D'accord, en fibre. En fibre. D'accord. Et le carbone, je crois qu'il est à 490. D'accord. Donc à moins de 500€, on a quand même un magnifique casque intégral en carbone qui bénéficie en plus donc des deux petits points techno qu'on a vus, l'écran magnétique qui se remet facilement et le système de réglage. Le système de réglage pour le positionnement optimum du casque sur la tête, votre intérieur à base de fibre de carbone. Le même intérieur est présent également sur les versions fibres. Vous avez le choix microlock ou double D. Un très grand champ de vision. T'as tout résumé là. J'ai le produit idéal. Bon, mais merci beaucoup en tout cas Bruno pour cette présentation. J'espère les riders en tout cas que ça vous a permis de découvrir ce nouveau produit de Nolan X-Lite disponible tout de suite. On commence à le livrer. Bon, voilà. Donc, bientôt disponible dans votre boutique préférée. À très bientôt, les riders. À bientôt. Au revoir.